Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo Zibril. Il y a 7 semaines de ça, fin août, j'ai fait un petit essai de semis de fèverolles d'hiver. La règle ici aux Pays-Bas pour semer la fèverolles d'hiver, c'est de la semer à 7 cm pour la protéger du froid d'hiver. Bon, j'ai fait ce petit essai 4 rangs au fond de la cour. Et voici les plantes qui, 7 semaines plus tard, sont bien là, sont bien présentes. Donc on voit bien les 4 rangs. Si on se rapproche un petit peu, voici nos plants de plantules de fèverolles. Enfin, c'est des pieds de fèverolles maintenant, quand même, 7 semaines plus tard. Et ça pousse bien. Donc la fèverolle en semi-direct, même ici aux Pays-Bas, ça fonctionne bien. Je vous montre quelques autres plantules. Ici, ici elles se voient très bien aussi, ici elles sont bien fortes. Voilà. Donc, le semis de fèverolles au semoir de précision et en semis direct avec la technologie Zibril, ça fonctionne bien. On peut voir une levée homogène. Et je vous propose maintenant d'aller voir plus en détail un pied. Je l'ai sorti déjà un petit peu avec la pelle. J'espère qu'il va bien finir par se sortir. Je l'attrape et je tire dessus. Attention. Voilà, le pied est sorti maintenant. Voilà. Je le mets ici sur la palette pour bien l'observer. Donc, on a une partie aérienne qui est bien verte, bien vivante. Il n'y a rien à dire. À part peut-être un peu de limace ici, mais c'est tout. Et ici, dans la partie souterraine, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer ici, au bout de mon doigt, la graine. Voilà. Au bout de mon doigt, ici, il y a la graine encore. Je vais la tourner pour que vous la voyez bien. Voilà. Ici, au bout de mon doigt, c'est l'endroit où la plante sort de terre. Et donc ici, dans le cas de cette plantule-là, on a 6 cm. On a 6 cm de profondeur de semis. Ce qui est suffisant, c'est ce qui est voulu. Ici on a plein un bon nombre de racines latérales, on a un très bon enracinement de cette fèverolle. En dessous de la graine on a aussi un très bon enracinement, c'est bien dense, c'est bien vivant, ça fonctionne bien. Si on arrive à le voir à la caméra, j'en suis pas sûr, mais ici au bout de mon doigt il y a des nodosités, donc cette fèverolle a commencé à fixer de l'azote et voilà. Donc tout se passe bien pour cette fèverolle. Et voici un petit, encore une fois la vue d'ensemble des 4 rangs. Et donc tout ça pour vous dire que le semis direct de fèverolles d'hiver à 7 cm de profond avec la technologie Zibril, ça fonctionne bien. Et voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.